chaîne, ici Isabelle de Léabelle Nursery. Aujourd'hui, on reprend notre tutoriel de peinture acrylique avec notre petite demoiselle Estelle. La dernière fois, on avait fait les veines puis les teints de bleu et de jaune sur le kit. Aujourd'hui, on va faire le mottling. Pour le mottling, ce que ça va vous prendre, c'est des petites éponges. Moi, j'utilise des éponges de maquillage comme ça ici. Je trouve que ça va très bien. C'est pas dispendieux. Je vais vous montrer comment on prépare ça. Généralement, plus le bébé est petit, plus les trous vont être gros, étonnamment. Là, c'est ce qu'on va remarquer souvent. Mais autrement, c'est vraiment au goût. Moi, j'aime bien utiliser deux sortes. Un avec des plus petits trous, un autre avec des plus gros trous. On peut utiliser une éponge différente pour chaque couleur ou on peut utiliser la même ou les deux mêmes puis les placer différemment aussi. Ça va faire un beau résultat. Donc, ce que ça vous prend, c'est des pinces, des petites pinces à épiler. Puis, je vais essayer de rapprocher un petit peu, montrer ce que je fais. Ce qu'on va faire, c'est commencer, on enlève les quatre coins. Puis on va enlever un petit peu autour du bord, pour pas, histoire de ne pas avoir de ligne droite. Ça ressemble un petit peu à ça. Et ensuite, dans le milieu, là, on va pincer, puis on va enlever des morceaux pour se faire des trous. On peut faire des trous reliés ensemble, on peut faire des trous séparés. C'est vraiment une question de goût, de l'effet que vous voulez obtenir. Puis ça, ben, à force d'en faire aussi, vous allez voir vos éponges, quel effet ça va vous donner. Essayez de faire les trous assez profonds. Parce que sinon, ce qui arrive, c'est quand il est mouillé, l'éponge s'écrase. Puis à ce moment-là, ça va faire juste comme une tache de peinture. Ça, on ne verra pas bien les trous. Donc, essayez de les faire suffisamment profonds pour éviter que la peinture aille dans les trous. Je vais en faire une autre. On enlève les côtés, histoire de ne pas avoir de ligne droite qui apparaît sur le kit. Vous voyez que je vais un peu comme ça me tente. Là, il n'y a pas de règle précise. Là. Vous y allez comme ça vous tente, ça vous fait différents motifs. C'est ça qui va donner un bel effet aussi plus irrégulier un peu plus naturel. Je vais enlever mes petites mousses. Pour les couleurs qu'on va utiliser, moi j'aime utiliser plusieurs couleurs pour faire mon mottling. C'est ce qui va donner vraiment le teint de la peau, plus que les couches qu'on va appliquer de la vie par après. Là. C'est vraiment le mottling qui va donner la couleur du kit. Je vais utiliser du rouge, du bleu, du mauve, du jaune, du ocre. On peut utiliser du vert, on peut utiliser du rose, on peut utiliser du orange, on peut utiliser les couleurs qu'on veut. Vraiment, il n'y a pas de limite. Ce que j'aime bien faire, c'est faire un bleu. J'aime beaucoup faire un rouge sang. J'aime bien le mauve, puis je veux souvent donner aussi un peu de jaune ocre. Entre autres, c'est les couleurs principales que je vais utiliser. Puis de temps à autre, là, je vais utiliser aussi plus de couleurs. Je peux aller jusqu'à 5 ou 6 couleurs différentes. La couleur qu'on va utiliser pour le mottling va être un petit peu moins diluée que les washes. Il faut que ça paraisse, mais en même temps, il ne faut pas que ça soit trop pétant. Là. Idéalement, il faut que ça reste assez subtil. Donc, je vais commencer par un bleu. Alors, ce que je fais, je prends mon bleu que j'ai déjà préparé. Vous voyez que mes pinceaux sont fatigués. Hein?
En passant, si vous remarquez des petits picots, là, des petits morceaux de peinture sèche dans votre peinture, c'est le temps de le jeter puis de recommencer. Sinon, ça va paraître. Donc, j'en mets un petit peu dans un bol. Puis, je vais juste venir rajouter une touche de bleu. Je pense que c'était celui-là aussi, mon... Bon, je vais essayer que celui-là. Ça, c'est phtalo bleu. Je vais juste pour dire, j'en mets un petit peu sur la pointe. Je vais la foncer une petite affaire. Ça me fait un genre de bleu vert un petit peu. J'aime bien cette couleur-là. Je vais désolé un petit peu. Donc, on mélange bien comme il faut. On peut le tester sur un essuie-tout. Donc, que ça soit pas trop intense ou pas que ça tâche bleu. En même temps, que ça soit un petit peu plus foncé que juste notre lavis. Donc, on prend notre éponge. Puis, on vient l'appliquer. On vient appliquer, peindre notre éponge finalement. On essaie de ne pas en mettre dans les trous. On peut enlever l'excès ou tester sur un essuie-tout. Puis comme c'est de la peinture qui est mixée avec de l'eau, ça va prendre un petit bout pour que ça entre dans l'éponge, si on veut. Faut s'assurer que ça soit bien rentré dans l'éponge. Ça va faire gonfler un petit peu notre éponge. Puis ce qui va rester, c'est que l'eau va entrer dans l'éponge, la peinture va rester sous-dessus. Donc si on veut aussi, on peut juste mouiller notre éponge un peu avant, l'humidifier. Ça va aider à ce qu'il y ait plus d'eau dans notre peinture, que notre mélange reste plus intact. Je vais juste faire un petit test en arrière de la tête pour voir ce que ça donne. Ça me semble bien. Là, ce que je remarque, c'est que ça me fait des bulles. Je ne sais pas si vous voyez, là, ça me fait un petit peu des bulles. Ça, j'aime pas ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir acheter une petite touche de médium dans ma peinture. Avec le pinceau, j'ai tendance à oublier de laver mon pinceau. Donc, prendre du médium, puis je me ramasse avec des taches dans mon médium. Donc, j'en rajouterai pas beaucoup, là, juste peut-être le côté du pinceau. Parce que j'ai pas une grosse quantité de peinture, là. Ça va venir donner un effet un petit peu plus crémeux à la peinture, puis il y a moins de chances que ça fasse plein de bulles. On va essayer. On va en faire encore un petit peu, mais c'est moins pire. On applique notre mottling en tournant un petit peu, en déplaçant notre éponge, puis en essayant de ne pas superposer les couches. Puis si vous avez trop de peinture, vous prenez le côté, puis faites juste venir appuyer. Venez pas frotter, là. On va effacer notre empreinte. Là. On veut juste enlever l'excès. Donc, le but, c'est d'y aller doucement au début. Moi, je suis rapide parce que je sais ce que je fais. Là, ça fait longtemps que j'en fais. Hein, je suis habituée. Mais au début, allez-y doucement. Prenez votre temps pour bien le poser partout. Il y en a qui n'en mettent pas sur les oreilles et la face. Moi, j'en mets partout parce que ça fait partie de la couleur du kit, je trouve. Donc, j'en mets un petit peu partout, là. Je vais m'assurer de mettre la peinture la plus forte, si on veut, en pigment sur le cou, les joues, le derrière de la tête. Puis quand il me reste presque plus de peinture sur mon éponge, là, je vais venir faire le devant du visage. Parce que c'est vraiment plus subtil dans le visage. Essayez quand même de ne pas en mettre sur le nez ou sur les paupières, ça ne fera pas très réaliste. Sur les lèvres non plus, on peut en mettre partout ailleurs. Là, inquiétez-vous pas au début, même si j'ai rajouté un petit peu de pigment dans ma peinture, on ne verra pas tellement le mottling.
Ça va prendre vraiment plusieurs couches avant de voir une réelle différence. Pour les mains, là, mes kits sont devant ma fenêtre. Hein? J'ai plein de poussière qui arrive dessus. Heureusement, le kit n'est pas trop collant, ça s'enlève bien. Hein? C'est un des problèmes en haut comme ça. Faut que je garde les fenêtres ouvertes si je veux pas mourir de chaud, mais en même temps, c'est que ça me fait promener la poussière et les petits poils de vêtements et tout ça. Donc, moi, je commence pour les bras, je commence un peu comme pour la tête. Là, je vais un peu d'un endroit qui est un petit peu plus discret pour m'assurer que la couleur est correcte, que tout est beau. Essayez de bouger un peu votre éponge, la changer de direction. J'en mets sur le dessus de la main. J'en mets pas vraiment sur le coude. Je vais venir mettre du blush plus tard. Puis en mettre sur les paumes aussi, là, à l'intérieur de la main. Oh, encore un poil là. Puis avec le bleu, elle lisse doucement. Comme je disais, vous avez l'impression que ça paraît pas. Allez pas en faire trois couches parce que là, vous allez avoir un bébé bleu. ça va ressortir bleu. Il faut que ça soit subtil. En fait, vous allez voir ce que vous faites, surtout par les taches humides. Là. Ce qui va vous permettre de voir où vous êtes rendu. Puis on essaie de ne pas oublier une zone. C'est bien important de ne pas oublier une zone. Parce que vous allez avoir des problèmes de coloration. Vous allez avoir des zones plus colorées que d'autres. Donc on essaie vraiment de l'appliquer partout. Trouvez-vous une technique, une façon de faire, par exemple, commencer toujours par les cuisses en descendant ou par l'inverse, commencer par le pied. Puis vous remontez comme ça, vous allez moins risquer d'oublier une partie. J'en mets en dessous du pied. Puis là, je remarque que j'ai un petit peu trop de peinture ici, donc je vais juste venir l'éponger pour pas que ça fasse des blobs, là, des bulles. Ça va paraître. Ah, j'ai du poil partout aujourd'hui. D'ailleurs, vous entendez que mes fenêtres sont ouvertes, hein? Le voisin fait des travaux, puis... m'entends bien la scie. C'est super agréable l'été ici. Vraiment. Hein? C'est mon deuxième été ici. On a déménagé l'année passée. Au début de l'été, ben, ça va faire un an cette semaine. Puis j'en viens pas à quel point c'est un quartier qui peut être bruyant malgré que les terrains sont très grands. Il y a une bonne distance les uns des autres. Il y a beaucoup de forêts autour. N'empêche, c'est vraiment bruyant. Les voisins qui font des parties toutes les fins de semaine, du vendredi au dimanche. Il y en a qui font de la moto, du tout terrain, en arrière, il y a des pistes. Bref, c'est pas un coin tranquille. En plus, les autos, ils roulent vite. Je trouve ça difficile parce que mes enfants, ils veulent faire de la bicyclette, mais les autos roulent tellement vite, c'est effrayant. Oups, je t'ai accroché. On n'oublie pas notre petite plaque ventrale. On fait pareil. Si vous ne savez pas trop par où commencer, allez-y par les côtés. Généralement, c'est là que ça se voit moins. Là. Si faites une erreur, trop de peinture sur votre éponge, par exemple. D'ailleurs, ça peut être au lieu de commencer par la tête, ça pourrait être... Une belle idée de commencer par la plaque ventrale quand vous en avez une. Parce que si jamais vous faites une erreur, que la peinture est trop forte, que vous trompez de couleur, peu importe, c'est plus facile de stripper une plaque ventrale de recommencer que de stripper des mains et des pieds ou une tête. Donc, à la limite, vous pouvez même la discarter, là, l'enlever carrément puis plus l'utiliser si vous trompez trop lourdement. Là. Ça peut être une bonne idée. Bon, donc là, on a fait
bleu. Je vais vous montrer rapidement les autres couleurs que je fais. Je ne ferai pas toutes les couleurs une par une avec vous parce que, ben franchement, c'est la même façon de l'appliquer partout, là. Il n'y a pas tellement de différence. Je vais vous montrer, je peux mouiller peut-être mon éponge. Un petit peu, vous montrer ce que ça fait, la différence. Je mouille... Je la mouille un peu, que ça gonfle. J'ai enlevé le surplus, l'excès d'eau. Je la presse bien comme il faut. Comme ça, elle reste est humide. Quand j'en ai appliqué la peinture, toute la peinture et l'eau que dans la peinture vont rester plus en surface plutôt que d'être absorbée, vu que l'éponge a déjà absorbé de l'eau. Ça peut être une bonne idée là, de faire ça aussi. L'autre couleur que je fais qui n'est pas déjà tout faite, là, que je vais mixer, ça va être mon rouge sang. Pour faire ça, moi, ce que j'aime bien utiliser, ben franchement, là, j'utilise celle-là de Bountiful Baby, là, Reborn FX, Blush and Nail. J'adore cette couleur-là. C'est une couleur vraiment un petit peu rouge sang. C'est vraiment beau. C'est super pour faire les ongles, faire les lèvres, etc. Je m'en sers aussi des fois pour mes creases. Mais si vous ne l'avez pas, ce qui est le cas souvent de tout le monde, vous allez prendre un rouge, votre rouge que vous avez sous la main. On va mettre deux gouttes. On va se mettre un bleu. Il n'y en a qu'une goutte. On va mélanger ça, vous allez voir, ça va faire un beau mauve. Je pense qu'on peut même rajouter une petite goutte de bleu. Pas beaucoup. On a comme un joli rouge mauve, là. Rouge violet, on le voit dans le fond, là. Puis on va venir acheter une petite goutte de brun. Soit ombre brûlée, soit ombre. Moi, c'est ombre naturelle que j'ai, t'as d'ombre naturelle. Puis je vais venir acheter une goutte de brun. C'est à peu près la même couleur que je fais pour les creases. Là. Vous allez voir, là, peut-être moins. Plus rouge, moins mauve. Là. On va voir ce que ça va donner. Vous pouvez uniquement prendre du rouge et du rouge et du brun. Donc, je vais même mettre deux bons pinceaux de médium. Ça va être un rouge mauve un petit peu. Ça, c'est une couleur que j'aime beaucoup utiliser. Puis sinon, pour un rouge sang, vraiment, là, c'est vraiment juste du rouge avec une touche de brun. Puis, ça va vous donner un beau rouge foncé. Mon bol, il est gros pas mal. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit peu un rouge vin, si on veut, là. Bourgogne. Ça, c'est une couleur que j'aime beaucoup utiliser dans le mottling. Puis sinon, comme je vous dis, juste du rouge avec une petite goutte de brun, ça fait un très, très beau, très belle couleur de mottling aussi. L'autre couleur que je vais utiliser, ça va être un violet, là, un mauve clair, un peu comme ça. Ça aussi, vous avez le choix, soit mélanger un rouge et un bleu, naturellement. C'est la façon la plus simple de le faire. Pas la plus simple, la plus évidente, là. Sinon, si vous avez ça ici, c'est parfait aussi. C'est pourpre dioxazine. Ça a l'air très, très foncé comme ça, là, mais c'est cette... Oups, j'échappe tout. C'est cette couleur-là ici que ça donne avec le médium puis l'eau. C'est vraiment joli, très, très beau. Pour de la rose... Encore là, vous avez l'option d'utiliser... moi, j'utilise le... Ce que j'ai, c'est rouge cadmium qui me donne un...
Puis il me donne un rose. J'ai déjà parlé. Je suis à peu près sûre que c'est pas le. C'est pas la bonne couleur qu'il y a dans le pot. Ça me donne vraiment plus un rose, un rouge rose. Je pense qu'il y a Kindra Sinon, comment je sais pas le nom de cette couleur-là. Moi aussi, j'en ai pas ici. C'est un autre type de rouge rose qui se vend en tube ou en bouteille. Sinon, vous pouvez toujours mettre une petite goutte de blanc dans votre rouge, ça va faire un rose. Allez-y mollo, mais comme c'est du mottling, normalement, il ne devrait pas avoir d'effet crayeux avec ça. Donc, vous pouvez y aller avec ça aussi. Puis, comme je vous dis, vous pouvez y aller avec du vert. À ce moment-là, si vous n'avez pas de vert sous la main, mélangez votre bleu et votre jaune. Bref, on peut tout faire avec ces trois couleurs-là, là. Si vous avez pas de brun, vous mélangez les trois couleurs primaires ensemble. Ça va vous donner un brun que vous pouvez ajouter du rouge ou du bleu ou du jaune par la suite pour modifier la teinte, la couleur. Tout est possible. Avec très peu de peinture, on peut faire tout ce qu'on veut. Puis le blanc et le noir, à ce moment-là, deviennent peut-être un petit peu plus utiles, mais encore là, dans le reburning, c'est peut-être pas une nécessité non plus. Donc, je vais y aller doucement. Mes trous sont plus gros. Vous voyez ce que ça donne? Ça, c'est très foncé. Je pense que c'est un petit peu trop foncé. Je vais l'essuyer. Puis je vais me rajouter du médium. Je ne rajouterai pas vraiment beaucoup d'eau parce que je veux pas avoir des bulles sur mon kit. Je ne veux pas que ça perle. Donc je vais me rajouter du médium. On va acheter une petite touche d'eau aussi. Et on va voir ce que ça va donner. Ça a vraiment une texture un petit peu comme du lait ou de la crème. Là, c'est vraiment pas liquide là. Je vais enlever la peinture que j'avais déjà. On va réessayer un autre coup. Je vais aller sur l'autre côté. Ah, c'est beaucoup mieux. Que vous voyez, c'est là. C'est assez fort. Mais ça reste quand même pas pire. Puis là, vous pouvez venir l'estomper avec votre éponge en appuyant un petit peu. Puis là, vous voyez, là, ça paraît presque plus. Ça paraît, mais c'est plus aussi intense que quand je l'applique. Vous allez voir le rouge. Peu importe le type de rouge, il est plus facile à voir sur le kit que les autres couleurs. Puis tout dépend aussi si votre kit c'est un bébé plus âgé. Vous allez utiliser peut-être différentes couleurs de mottling. Un bébé plus âgé, on va peut-être utiliser moins de mottling. Ça va être peut-être plus bleu-rouge, peut-être un peu de mauve, ça va s'arrêter là. Tandis que pour un bébé plus jeune, on peut y aller vraiment avec beaucoup de couleurs. La peau est plus transparente d'un tout jeune bébé. Donc on peut jouer beaucoup plus avec les couleurs. Je vais y aller avec la tête, là. Puis si vous avez juste deux ou trois éponges, là, essayez d'alterner. Prenez pas la même trois fois de suite. Essayez d'alterner un petit peu vos éponges, histoire de ne pas répéter toujours la même grosseur de trou tout le temps. Hein. Ça va aider un petit peu. Dans le fond, le mottling, ce que ça fait, ça reproduit un petit peu tous les petits vaisseaux sanguins qui sont à la surface de la peau. Si vous regardez votre propre peau, la plupart des gens ont des marbrures. La
plupart des gens en ont. Surtout, vous allez surtout le voir sur la paume de votre main, peut-être, ou à l'intérieur de votre bras. La plupart des gens en ont. Moi, j'en ai partout. J'ai la peau très, très pâle. J'en ai partout. J'en ai surtout sur mes paumes. Mais j'en ai partout sur ma clé. Donc, c'est ça, là, c'est vraiment les petites veines, les petits vaisseaux sanguins qui courent à la surface de la peau. Et plus on va utiliser de couleurs, plus on va les faire sortir, ça va vraiment être réaliste puis très joli. Une seule couleur de mottling, c'est possible, mais ça donne pas le même effet. Ce qu'on peut faire aussi pour l'intérieur des paumes, là je le fais pas, mais je pense que je vais commencer à le faire, c'est d'utiliser une petite mini éponge, peut-être petite éponge à maquillage, là, puis faire des petits mini trous pour aller faire vraiment quelque chose de plus subtil à l'intérieur de la paume, ça serait une bonne idée à faire aussi. Donc ça vous tente de l'essayer. Donc, c'est pas mal ça, les couleurs, là. J'ai... Je vais juste faire le bras ici avec le rouge. Après ça, je pourrais vous montrer ce que ça donne avec les autres couleurs, mais uniquement peut-être sur un bande, là. Parce que je veux pas faire un trop long vidéo, parce que, ben franchement, cette scie électrique, elle m'empêche de me concentrer. Si vous voyez, c'est dur à voir, c'est plus facile en personne. Puis là, en plus, j'ai un zoom qui est comme. Qui est pas très coopératif. Ah, voilà. Donc, ça que ça donne après le bleu et le rouge, vous voyez, c'est pas extrêmement foncé. Ça reste assez subtil. Ici, là. Donc le plus foncé, je l'ai mis sur la tête, puis les joues, le front, il y en a aussi, mais j'ai utilisé comme ce qui me restait sur mon éponge, donc c'est vraiment beaucoup plus pâle. Donc si vous voulez voir ensuite ce que ça donne, par exemple, avec du mauve, vous allez voir, la différence sera pas énorme. Que j'en ai déjà ici. Je vais réutiliser mon éponge bleue de tantôt. Il y en a qui aiment bien utiliser une éponge pour chaque couleur. Là. Moi, disons que j'aime maximiser mes éponges parce qu'ils arrivent, comme j'ai déjà expliqué, c'est que sont difficiles à garder. Puis après un certain temps, ils finissent par sécher, surtout sur les côtés. Ça se réutilise. On peut les laisser tremper dans l'eau. Ils reviennent un petit peu... molle, ça fait plus comme une étampe, là, une fois qu'ils sont sèches. Bref. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça fait avec le violet. Il est très, très, très subtil. Peut-être même un petit peu trop. Je vais rajouter une goutte. Devrait être mieux. Ah oui, on le voit un petit peu mieux. Ça, je trouve que c'est la couleur ultime pour donner de la vie. J'aime bien aussi plus tard faire un lavis au complet avec mon mauve.
Je sais pas, ça vient donner un éclat à la peau que j'obtiens pas autrement. Parce que il y a une différence entre appliquer les couleurs primaires. Il y a une différence si on applique uniquement le bleu, jaune et rouge un après l'autre. Ça fait une différence si, par exemple, j'applique du mauve, ou si j'applique du orange, ou si j'applique du vert. Ça donnera pas la même couleur au bout du compte. Donc, excusez, c'est pour ça que je vais utiliser beaucoup mon mauve en plus de mes lavis. Donc, voilà pour le modeling. Si vous regardez, c'est pas excessif, ça reste assez subtil. Inquiétez-vous pas si ça vous semble trop. On va remettre la peinture après par-dessus. On n'a pas terminé là. On n'a même pas fait les creases ni rien. Là. On n'a pas rien fait. Je fais mon modeling à ce stade-ci justement parce que ça permet de corriger par la suite. Si j'en ai trop, par exemple, je vais pouvoir ajouter d'autres lavis qui vont me faire que ça va atténuer un petit peu. Si j'en ai pas assez, je vais pouvoir revenir plus tard. Donc c'est pour ça que je le fais à ce stade-ci. Pour les creases, c'est l'inverse. Là. J'aime mieux les faire vers la fin. Quand j'ai une bonne idée de la teinte de peau, parce que ça me permet d'avoir la bonne couleur de crease, puis en plus, c'est que ça évite qu'il disparaisse justement avec l'application par la suite de d'autres couches de peinture. Hein. Il y a des fois que je l'ai fait au début, puis que je viens en rajouter par la suite. Ça dépend vraiment de mon humeur, mais généralement, je dirais que j'aime mieux les faire vers la fin. Donc, ça sera pour le prochain vidéo. On va se donner rendez-vous pour les crease. Je vais vous montrer comment je fais mes couleurs, ma couleur de crease. Vous allez voir, ça ressemble un petit peu à ce que j'ai utilisé ici. Donc, ça devrait être capable d'y arriver. C'est peut-être la partie la plus difficile. Le mottling, pour moi, c'est le plus fun. Puis les creases, c'est ce qui est le plus difficile. Mais vous allez voir, on va y arriver. Il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de stress. Là. Je vais vous montrer comment je procède. Puis vous allez faire vos propres expériences. Puis vous allez bien y arriver. Donc, je vous souhaite un bon reburning. Amusez-vous avec les couleurs. Gênez-vous pas. Si vous trompez, c'est pas grave. On continue pareil. Il y a toujours moyen de reprendre puis de corriger. On scrape jamais un kit. C'est juste des... Il y avait Bob Ross, le peintre, qui est assez fameux, qui disait souvent « Happy mistake ». C'est des erreurs heureuses. Des erreurs des fois qui nous permettent d'avancer puis de découvrir des nouvelles choses. Donc, ayez pas peur de ça. Je vous souhaite de passer une très belle journée là-dessus sur ma belle table de multicolore. Donc, je vous souhaite de passer une belle journée et on se revoit bientôt pour la suite de ce tutoriel. Merci, au revoir.